son départ de gris dans la course. Simanoa, mais également Forester, le numéro 4. Et c'est parti pour ce prix de l'Isère avec un départ moyen, mais normal, hein, pour Valina qui se place à l'arrière. Devant, eh bien, c'est tout de suite Choupi Chop, le numéro 9, qui prend l'avantage devant le numéro 7, Kayana. Le 5, Liliane, est 3e. Devant ça encore, Pan American, le 8. Et dans la corde, le 2, Grand Stark. Pour l'instant, Simanoa, le 1, attend. Ouais, le peloton est très étiré, hein. C'est vrai que le cheval de vitesse Choupi Chop donne du rythme à cette épreuve. En deuxième position, on retrouve le 7 Kayana qui le suit. Troisième en léger retrait, Liliane, avec également Pan American, le numéro 8, suivi encore par Grand Cercle, le 2, Forester, le 4, le gris à l'extérieur, avec également l'As Simanoa. Parmi les derniers, on retrouve notamment le Valorio, le numéro 10, qui fait la marche. Deux chevaux qui s'étachent un peu tout de même avec Choupi Chop. Le 7 Kayana, ça va se payer. Ce sont des chevaux de vitesse, on l'a dit. Derrière, on emmène avec Liliane, le numéro 5. Pan American, le numéro 8 et 4ème, et puis derrière Forester qui se rapproche avec encore Grand Stark, le 2 dans la corde. Deux concurrents nettement détachés, mais est-ce qu'on va pouvoir tenir? Ils ont une quinzaine de mètres d'avance. Il y a Choupi Chop, le 9, avec dans son sillage Kayana. Kayana qui a un parcours en or, hein, dans le sillage de Choupi Chop, qui se fait emmener. Derrière, il faut attendre une vingtaine de longueurs désormais pour retrouver Liliane qui essaye de faire la jonction à l'extérieur. Forester qui essaie de se rapprocher avec également Pan American, avec Grand Stark, Simanoa, la favorite. La casaque rose commence à faire mouvement pour venir quelque peu en dehors. Ouais, pas très heureuse, hein, Simanoa, parce qu'elle est derrière Pan American qui a des difficultés devant. Eh bien, ça va toujours très vite, mais l'écart diminue tout de même sous l'impulsion de Grand Stark, hein, qui vient troisième, mais devant s'en va avec Kayana, le 7, qui laisse sur place Choupi Chop, Grand Stark, ensuite Simanoa qui vient en dehors devant Valina la corde, ou encore Pan American, et le 5, et là aussi c'est Liliane. Elle va être longue cette fin de course pour Kayana, mais elle a fait nettement la différence. On ne compte plus sur Choupi Chop qui s'est complètement arrêté à l'extérieur. On essaye de venir avec Grand Stark, le numéro 2, avec tout en dehors également Simanoa, qui va venir pour prendre une troisième place. Ça, c'est fini pour le numéro 7 qui est battu maintenant Kayana. C'est Grand Stark qui va faire la différence. Grand Stark, le numéro 2, qui devance maintenant Kayana, le 7. En troisième position, le numéro 5, Liliane. La quatrième place pour le 3, Valina. Et seulement cinquième, Simanoa. Bien décevante dans cette